put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough of you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Shaker, yeah, she was a ball shaker. She shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on va faire la suite de la première vidéo qui a été où Gijo, lui, m'a coaché sur une séance pectoraux. Ou pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. Elle sera affichée en description et à l'écran. Donc allez la voir, comme ça, ce sera dans la continuité. Vous comprendrez pourquoi je suis tout mouillé. Ah, bon, parce qu'ils vont pas comprendre sinon. On l'a tourné juste avant, je l'ai massacré, les gars. C'est ça, donc je suis un petit peu encore. Donc il m'a coaché sur une séance pectoraux. Il m'a dit que lui voulait que je le coache sur une séance épaule avec un focus arrière d'épaule. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a déjà des très grosses épaules, mais apparemment il en veut plus, donc on va lui en donner plus. Mais j'ai le deltoïde antérieur et latéral qui est très développé par rapport au postérieur. Ouais, donc ça te recroqueville un peu vers l'avant. Ouais, aussi en plus, si on peut faire des étirements pour redresser tout ça, ce serait pas mal. Ok, ça marche, bon, on va faire ça. Bah aujourd'hui, on va faire une séance épaule. J'ai déjà prévu, on va faire un focus arrière d'épaule. On va faire du lourd sur des exercices un peu plus polyarticulaires, mais tout en travaillant l'arrière de l'épaule. De toute façon, vous allez le voir. On va faire du lourd en début de séance, du plus léger par la suite avec un plus gros focus sur l'arrière. Donc on est parti, on va commencer par un échauffement bien spécifique pour les épaules parce que c'est très très fragile comme muscle. Donc premier exercice, on va commencer par l'oiseau haltère. Y, mais on va commencer en léger avec des séries longues qu'on va viser plus du 20 reps que du 10-15, histoire de bien pré-fatiguer l'arrière d'épaule. Tu vas bien te pencher en avant, tu vas bien focus à fond sur l'arrière d'épaule, tu dois pas taper sur le côté, tout doit prendre sur l'arrière d'épaule, tu dois ton dos pareil, tu laisses bien tes épaules retomber en avance, tu te mets comme ça, tu vas recruter ton dos et tu pars. Je détache bien mes omoplates. Tu détaches bien tes omoplates. Enfin, si tu les resserres, tu vas taper dans le dos. Donc, vas-y, je te laisse prendre en commençant très léger, en fonction de comment tu t'en sors, on verra. Donc là, tu m'as mis combien? 6,5. Ok. Penche-toi en avant, ramène ton torse vers tes jambes. Détache tes épaules comme si tu étais tout ramolli et tu bombardes. Mets-toi en prise normale, pas comme ça, pas en neutre. Voilà, comme si tu faisais du latéral. 3, 4, 5. Laisse bien tes omoplates desserrer. 7, 8, 9. Serre pas tes omoplates. 11, 12, 13, 14, 15. Je vais te bloquer pour pas que tu triches. T'as combien? Continue. Continue. Une dernière. C'est bien. 25. Ok, donc on est parti sur une minute de repos. J'ai enlevé le banc parce que le banc est trop haut. Toi, t'as buste long, jambes courtes, donc forcément c'est compliqué avec le banc. Moi, j'ai pas ce problème. Donc tu vas le faire debout et je vais m'assurer que ton mouvement reste propre quand même. On est monté un petit peu. Une minute de repos. 8 kilos. Penche-toi bien en avant. Détache les épaules et tu envoies. 2, 3. Le dos est un petit peu arrondi, mais c'est pas grave. Comme la charge est légère et qu'il a des lombaires solides, il n'aura aucun problème. Mais faites attention si vous n'êtes pas un pratiquant avancé, que vous n'avez pas de dorsaux, vous pouvez vous faire mal. Allez. C'est bien. Prise 3. C'est bien. Desserre bien les omoplates, laisse bien tomber les épaules jusqu'en bas. Tu vises 20-25. Combien? 30. 30. Eh, cousin, tu m'as dit Stéphane, ouais, vas-y. Donc troisième série, ensuite on passera sur un autre exercice. Il continue de fracasser un petit peu l'arrière d'épaule histoire de préparer pour la suite. Pré-fatigue, on y va. Après il fera tomber le t-shirt lorsqu'on sera sur le 2-3ème exercice pour vous montrer un petit peu la congestion des épaules. 6, 7, allez, 8, 9, 10. 11, 12, après si vous avez un banc assez haut dans votre salle, vous pouvez le faire allonger sur le ventre, ça vous évitera de tricher. Là il a de la chance, je suis là, je mets ma main, il peut pas tricher, je le vois qu'il essaye, mais il pourra pas. C'est bien, on n'a pas fait 20. On a terminé avec les élévations postérieures haltères, j'ai mis une minute de récup aussi, histoire que ça reste encore congestionné, encore fatigué pour que tu puisses retaper dessus. On va avoir besoin de la place et on va passer sur un développé militaire. Arrière. Pareil, quand on a un niveau avancé, on peut se permettre de le faire. Beaucoup disent que c'est dangereux pour les épaules, la coiffe des rotateurs, etc. Quand on a un niveau avancé, on a assez de masse musculaire pour pouvoir assumer ce genre d'exercice, mais toujours en travaillant léger. On va éviter d'aller faire des perfs sur un exercice comme ça, parce que là, c'est sûr que c'est la blessure assurée. On va partir sur une première série à 40. Arrière? 40 arrière, max rep. Ça va aller? Normalement, tu les assumes. Donc pourquoi je le mets sur l'arrière et pas sur l'avant? Ça va beaucoup mieux travailler l'épaule, ça lui évitera d'engager la partie haute des pectoraux, parce que quand on fait des open intercommissions, on a tendance à se cambrer un peu, tricher, envoyer un petit peu avec le haut des pectoraux et donc voler du travail sur l'épaule. Là, il va être comme ça, penché en avant, il ne pourra pas tricher, à la limite avec les jambes, mais je vais lui faire serrer ses fesses
gainer les jambes droites, c'est pour ça qu'il échauffe aussi son fessier. Et il pourra pas tricher, il va être bloqué, ça sera vraiment que les épaules qui vont travailler. Avec un focus un peu plus important sur l'arrière d'épaule, vu qu'on est derrière. La prise, tu prends selon ce qui te permet de travailler mieux. Voilà, tu la mets derrière, tu serres le fessier, gaine ton fessier, les jambes droites, et tu descends. Et tu montes. Voilà, descends pas trop bas. À hauteur d'ici, où il y a la démarcation de cheveux, ce sera très bien. Et deux. Allez. 3. Ça va ? 4. 5. 6. Ne plie pas les jambes. Serre les fesses. Jambes bien droites. Serre les fesses. Voilà. Fessiers serrés. Fessiers serrés. On baissera s'il faut. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Continue. C'est tout ? Enfin. Combien ? Toi, tu mens, t'essaies de me baiser sur les répétitions. J'ai du mal à compter quand je. Ouais, ouais. T'as pas du mal à. Pour me baiser, là, y a pas de problème. Hein. T'en as pas fait 20, t'en as fait grand max 15, je dirais. Ok. T'essaies juste de me baiser. Tu crois ? Oui, oui. T'essaies de me. Je suis pas con. Là, tu mets 5, puis 2,5 par-dessus. Les repos sont un petit peu plus longs pour être sûr qu'il arrive à atteindre un certain nombre de répétitions. Là, on va viser 15 répétitions. S'il a la force de faire plus, il fait plus, mais 15 répétitions serait déjà excellent. Gagne les fessiers, gagne le dos, et ça descend. 1, 2, on voit bien le travail des épaules, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arrête avec les jambes, 9, 10, serre le fessier, 11, 12, 13, 14, encore, tu continues, 15, les fessiers serrés, une dernière, donne-moi une dernière, c'est bien. Ça sera 4 séries, la dernière ne sera pas filmée, mais ça sera 4 séries. Il va aller jusqu'à l'échec là, encore une fois. C'est parti. Allez, tu la prends normal, aide-toi des jambes pour la première histoire de la montée. Voilà, pour pas perdre de force. Maintenant, tu serres les fessiers, je veux plus voir tes jambes bouger. Elles doivent rester droites, c'est que les épaules qui travaillent. 6. 8. 7, c'est moi qui décide. 8. 9. 10, tes jambes. Serre les fesses. Serre les fesses. Tu serres les fesses. Tu vas où? T'as mal. C'est où? Je veux plus. C'est moi qui décide. Et en fait, vu que c'est une charge lourde pour moi, quand je suis jambes tendues, eh ben c'est mes lombaires qui prennent. Ouais, mais ça c'est pas mon problème. Ok, on a tapé le faisceau postérieur, on va le retaper plus tard. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur les élévations latérales. Pour bien travailler le faisceau latéral, avoir un bel arrondi. En plus du extérieur skill, voilà. Quand il se met de côté, on voit qu'il a déjà un très bel avant de l'épaule. C'est ça qui le tire un petit peu vers l'avant. Voilà, donc là on va faire latéral, puis faisceau postérieur, élévation latérale, série 10-15. Ça devrait aller 11,5 kg, ça devrait largement le faire. Tu te mets soit de côté, soit de face, c'est comme tu veux. Oh. Tu recules un peu, vas-y recule vers moi. Fessier serré pour pas tricher, très important aussi. Et t'envoies sur le côté. C'est bien. Voilà, fessier bien serré. 5, 6, 7, 8, relâche bien les épaules en bas pour pas solliciter les trapèzes. Je les vois, ils congestionnent un petit peu là. C'est bien. C'est bien. Allez, encore. Encore. Donne-moi encore deux. Encore une. C'est bien. Je peux poser. Donc on est passé sur 10 kg pour avoir un mouvement encore un peu plus strict. De derrière, je voyais que ces trapèzes, ils travaillaient un petit peu. Là, ça devrait être un peu mieux. Toujours pareil, tu serres les fesses et t'envoies sur les côtés. Voilà, le mouvement est un peu plus propre. Essaye de garder la tension, descends pas jusqu'en bas ici. Arrête-toi là. Et tu remontes, vas-y. Touche mes mains et tu remontes. Voilà. Encore. T'arrêtes pas sur mes mains, remonte. Remonte. Encore. Voilà, encore. Encore. Allez, donne-nous encore deux. Une dernière. C'est bien. Non, ça va. Ok, on en a fini avec le latéral. On va repasser sur l'arrière d'épaule avant de terminer à la fin sur un tricep sur les épaules. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va venir se caler donc les pecs sur le banc. Lui, ce qui est bien, c'est que ça lui fait un gros coussin. Il est sûr pas avoir mal. Tu dois pas avoir tes omoplates ressorties. Tu vas les laisser tomber vraiment comme ouais. Si tu te rafalais. Tu vas venir mettre les haltères devant et tu vas venir partir un petit peu vers l'avant. Pas sur le côté, sinon tu vas travailler le dos. Vraiment en Y vers l'avant, ça va te permettre de recruter vraiment l'arrière d'épaule sans tricher vu que tu vas être bloqué avec le banc. 10-15 répétitions, parce que là ça va être vraiment compliqué. Pas de serviette, on n'est pas fini Spark. On s'en bat les couilles. FF Gym. Ici on fait ce qu'on veut, on peut crier, on peut se mettre tout nu, il n'y a personne qui va rien dire. Laisse tomber les épaules. Voilà, laisse tomber, écrase-toi.
Et là, t'envoies. Je vais pas devoir ressortir les dorsaux. Pronation ou neutre? En pronation, toujours. Voilà. 2, c'est bien. 3, c'est bien. 4, les haltères se touchent pas. 5. 6. Laisse bien tomber les épaules. 7. 8. 9. 10. Allez, t'en as encore, t'en as encore. Encore. 13. Encore. 15, t'en as encore. 16. Tant que le mouvement est propre, tu t'en as encore. Serre pas les épaules, vas-y. Enfin, serre pas les dorsaux, laisse bien retomber. Et 20. C'est bien, tu peux courir. Ça va? Ça défonce, hein. Vas-y, viens. Tourne-toi. Ouais, ça va, l'arrêt d'épaule commence à bien sortir, c'est bien. Mais on voit que tes trapèzes, t'as des trapèzes très forts. Dessus. Je vois que tes trapèzes prennent le dessus. Ah non, je le vois, je les vois, ils se trient un peu, ils sont là, ils veulent vraiment voler le travail des épaules. C'est pour ça que t'as du mal à développer ton arrière d'épaule. Tu prends les haltères, par contre tu fous ma gueule, t'as baissé la charge. Quand? Et ça va pas marcher comme ça. À quel moment? Ah ouais, c'est ça. Ok, ça sera 8 kilos. Tiens, tu laisses bien retomber les épaules vers l'avant et t'envoies. Toujours en Y. Dépêche-toi ou je frappe. Montre. 2. Alors on voit bien que les trapèzes ils prennent un peu le dessus, mais c'est moins conséquent déjà. 5. 6. Je le vois bien, il travaille bien. 6. 7. Touche un peu pour que. 8. Je focus. 9. 10. Allez, concentre-toi là. 11. 12. 13. Encore, je le sens bien là. 14. 15. 16. Continue. 17. Triche pas. 18, allez, encore 2. 19, donne-moi encore une. Et 20, c'est bien. Là, je l'ai mieux senti quand c'est bien. C'est bien. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on a terminé avec les exercices d'isolation. On va faire vraiment de la finition pour amener un maximum de sang dans l'épaule pour mieux récupérer. Pour travailler aussi la connexion cerveau-muscle, ça va lui servir. On va travailler en plus léger, ce sera deux disques de 5. C'est super simple ce qui va se passer. Il va prendre les deux disques par le milieu. La prise, elle varie aussi, c'est important. Il va faire 12 élévations latérales. Une fois qu'il a fait les 12, il passe en 12 élévations frontales. Puis pour terminer, il va se pencher en avant et faire 12 oiseaux. Ça fera 36 répétitions, 3 séries. C'est vraiment pour terminer, pour vraiment finir le muscle. Et ça sera parfait. Vous avez vu que pendant la séance, on a fait très peu de polyarticulaire, c'est normal. C'est normal, l'épaule, c'est un petit muscle. Si vous voulez vraiment travailler un faisceau en particulier et que vous faites du polyarticulaire, si vous avez point fort avant-épaule, c'est lui qui va prendre le relais directement. Vraiment, si vous voulez développer un endroit particulier, faites de l'isolation sur l'épaule. C'est pas comme pour les pectoraux. Ou si tu veux avoir un gros pectoraux, tu vas faire du développé couché, ça va fonctionner. Allez, c'est parti. Je te laisse prendre les deux disques. Tu les prends bien par le trou du milieu. 5 kilos là. 5 kilos. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu passes en frontal. 2, 3, 4. 5, c'est bien. 6, c'est bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu te penches, tu finis en oiseau. En Y? En Y. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je laisse un peu tricher, c'est normal, il a plus de force. 10, 11. Et 12, tu peux poser. Alors, dès la deuxième rep, avec tout ce qu'on a fait, je le sais. Sens un fond. Ouais, je le sais. Ok, une minute de repos, on a fait 12-12-12. Deuxième série, ça sera 10-10-10. Et troisième, 8-8-8. Ah, d'accord. Parce que s'il va pas avoir la force de faire des répétitions propres, ça va se dégrader de plus en plus. On en enlève 2, 2. Et on finit comme ça. Nickel. Allez, c'est parti. 10 élévations latérales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, tu passes sur des frontales, bloc arrive au milieu, descends pas jusqu'en bas, monte jusqu'en haut, tout en haut, tout en haut, voilà, tout en haut, 5, 6, tout en haut, 7, tout en haut, 8, 9, ah c'est plus dur, hein. Une dernière, 10, l'oiseau, je vais toquer ce bâtard, 2, t'as bien fait d'avoir fait ta séance avant, 3, 4, 5, regardez là il triche, c'est que je vois qu'il n'y a plus beaucoup de force. Baisse, baisse. Encore. Allez, 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 allez. Hey, tu veux me baiser? Non, tu m'as baisé, t'es oui. Passé avant moi. Oui. Si je savais que t'allais autant abuser,
J'aurais abusé encore plus. J'ai pas abusé, c'est mes séances à moi, ça. Ok, dernière série, ça va être 8 reps. Et après, la séance sera terminée. Ça reste des séances assez courtes, vu que c'est les épaules. En temps normal, je l'aurais rajouté les abdos. Mais il a déjà des très gros abdos et il gère très bien ça. Donc là, il va faire que les épaules. Allez. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Frontal. 1, 2, 3, 4, 5, cherche bien haut. 6, cherche bien haut. 7, cherche bien haut. Et 8, oiseau. Tu triches pas, je veux dire. 1, 2, 3, monte bien haut, monte bien haut. Voilà. 5, 6, 7, donne-moi une dernière. Et 8, c'est bien. Allez, c'est bien. On va pouvoir rentrer manger. Ok, donc on a terminé la séance, on a bien focus sur l'arrière d'épaule, ton ressenti. Moi je vais leur montrer. Tu vas leur montrer. On a remis le t-shirt FF, d'ailleurs ils sont disponibles juste en dessous de la vidéo les gars. Et là en fait ce que je sens, c'est d'habitude je fais une séance d'épaule, je vais sentir le delto antérieur à fond. Et là je sens vraiment que l'arrière, j'ai l'impression déjà de me tenir déjà plus droit. Ok, nickel. C'est normal, on a beaucoup isolé, on n'a pas fait beaucoup de polyarticulaires, donc l'avant de l'épaule n'a pas eu l'occasion de prendre le devant en fait, simplement. Mais là c'est dur, là faut que, en vrai faudrait que je me tienne comme ça. Ok. Donc je repose mes épaules. C'était une très bonne séance, je suis content, c'est parfait. Une bonne séance. Court et très intense. C'est ça. Ça, une séance, bon on a un peu discuté tout, on filmait donc forcément on a perdu un peu de temps. Mais en temps normal, c'est le genre de séance, vous la faites entre 45 et 50 minutes, facile vu que les temps de repos sont assez courts. Et c'est suffisant. Et c'est largement suffisant, ça vous laisse le temps de faire du cardio, de faire qu'est-ce que vous voulez à côté. Donc pour résumer vite fait, on a commencé sur de l'oiseau en pré-fatigue, on a enchaîné sur du développé militaire debout, barre à l'arrière, des élévations latérales, de l'oiseau ventre sur le banc pour ne pas tricher, puis on a fini sur un tricep en 12-18 avec des élévations latérales, des élévations frontales, puis de l'oiseau. Et voilà, largement suffisant. 5 exercices. Rien qu'à revoir tout ça, ça me donne mal aux épaules. Ouais, je me doute. Si jamais vous voulez savoir vous, quels sont vos déséquilibres, vos points faibles, vous pouvez aller prendre une analyse morpho-anatomique sur Fitness Fusion. On s'occupera de trouver ça pour vous. Également, si vous voulez un programme personnalisé comme là j'ai fait pour lui, je me suis vraiment adapté à ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit qu'il voulait vraiment un focus arrière-épaule. Donc je me suis adapté pour vraiment qu'il ressente que l'arrière d'épaule au maximum, qu'il puisse le développer au maximum. Si ça vous intéresse également, vous pouvez retrouver des programmes personnalisés qu'on fait en fonction de votre anatomie, de vos attentes, de vos disponibilités, de votre travail. Voilà, on prend vraiment tout en compte, c'est personnalisé, c'est vraiment propre à chaque personne. Sur Fitness Fusion, vous retrouverez ça. On peut également vous prendre en coaching 1 an, 6 mois, 3 mois. Même 10 ans, si vous voulez, il n'y a pas de problème, on vous prend. Et ce qui est bien en plus, c'est que vous, là, vous n'avez pas seulement, vous n'avez pas choisir Pimous ou Didio, vous allez nous avoir tous les exactement. Deux, les gars. Vous avez deux coachs rien pour vous. Vous avez deux points de vue, ça veut dire en plus. Et ça, c'est parfait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez reproduire cette séance, assurez-vous d'être un minimum avancé, je dirais intermédiaire avancé. Surtout pour ce qui est du développé militaire arrière. Si vous êtes un peu plus débutant, passez la barre à l'avant. Le fait de prendre arrière, c'est très dangereux. Il faut vraiment avoir une base solide au niveau des épaules. Tu allais rajouter quelque chose? Je t'ai vu prendre une respiration là. Non, c'était cool, t'as dit tout ce qu'il fallait dire. Je suis pressé de les voir rejoindre l'armée des guerriers. N'hésitez pas les gars, hein. Plus on sera, mieux ce sera. Voilà. On est pressé de vous montrer les premières transformations parce qu'on a déjà eu pas mal de guerriers qui nous ont pris en tant que coach. Donc certains qui ont très bien progressé. Donc là, l'année prochaine, on fera une vidéo, transformation. Avec toutes les transformations et là, ça va être lourd. Et si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur fitnessfusion.fr. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio. Force et fun.